Bon. Ouais, je la connais. Plus tard. Là, on avait d'abord une quête pour notre forgeron, Wagner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, on peut acheter justement du matériel de... Forge. Oh! Il faut quoi? Forge Q. On peut juste avoir niveau 10, ok. Fabriquer ça, non, non. Pour changer les persos. Oh, nice. Attends, 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 c'est pas fini. Ah. Hard work is all there is to the craft. Est-ce qu'ils vendent des affaires? Ils vendent des épées. Bon, basique. Ensuite. Ok. Donc on peut lui demander de fabriquer certains objets, comme par exemple un minerai d'amélioration. Ok. On peut en faire combien? Beaucoup? 8 seulement? Il faut ça. Ok. Il faut ça. Il faut ça. Ça c'est quoi comme nom? Northern Sword. Ah, il faut le prototype. Et comment on obtient le prototype? Seulement les récompenses. Et là, on pourrait fabriquer ça. Et putain, l'améliorer. C'est juste ça? D'accord. Bon. Alors, cette fois-ci, on va aller parler. Eh, tout le monde est en... On l'a aidé, hein? Alors, récompense de progression. Oh, on a rencontré Jacques. Ouais. Ouais, il m'a tout expliqué au niveau de Original Resin. Bah ouais, c'est ça, c'est, je trouvais assez bizarre quand même, parce que ça, au final, ça va détruire l'arbre, parce qu'on est en train de récupérer son... Enfin, on est en train de consommer son énergie élémentaire, donc... Non, ok, ça c'est... Ok, elle parle plus de Resin et non pas de... Oh, ok, d'accord, en fait, d'accord, je vois. On pourrait utiliser, on peut utiliser régulièrement, mais il faut un temps, un cooldown, il y a un cooldown dedans. Ah, ça dépend du porteur de l'objet en question. Vision Holder, c'est quoi ça? Non, j'ai pas de vision. Mais ouais, c'est vrai, je suis rempli d'énergie élémentaire. Ok, en fait, il nous conseille de ne pas attendre que justement l'objet se régénère. Dès qu'on a l'occasion de l'utiliser, ben, on l'utilise. Et dépendamment des domaines, les différentes armes donnent des objets différents au niveau des récompenses. Ok, ben, merci pour tout ça. Maintenant, je vais. Ma récompense de progression, j'ai pris un niveau. Oui, on m'a déjà expliqué pour la progression, vas-y. Ouais, mais tu me l'as expliqué tantôt, j'ai pas besoin de... Merci. En tout cas, au niveau des sous, c'est beaucoup, hein, je pense. Mais après, tu dépends combien coûtent les autres, coûtent les autres objets. Ça va jusqu'à quel niveau? Ah ouais. Ah ouais, niveau max 60. D'accord. Merci.
Ok, ce qu'il explique, c'est qu'il y a différents niveaux, enfin, il y a différents niveaux d'aventurier, bien sûr. Mais il va arriver qu'il y a des paliers qu'il faudra justement dépasser en accomplissant une grande mission. D'accord? Ce serait ça. Donc, peut-être des missions de haute de difficulté élevée, ce genre de choses-là. Ou des raids. Lui en mode épique. Ah, voilà, F1, ça va commencer. Oh, comme des hauts faits en fait. C'est ça. Et là, à ce moment, ça va nous permettre. Oh, on peut récupérer ça. Ça a été fait. Merci. Ça a été accompli. Merci. Merci. Ça a été accompli, effectivement. Merci. Et donc, ouais, je pense que c'est via ce genre de choses. On a tout accompli. Merci. Ah, nouveau. Statut 7 à Downhacker. Donc, il faut accomplir tout ça. Oh, Windground, Abyss Mage. Et là, c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir progresser plus dans les différents paliers de l'aventure. Ça, il manque. J'ai pas fait ça? Non, pas encore. The Dot Whisper is closed, only visit. Ah, niveau 20. D'accord. Okay. Faudra aller faire ça? Ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est ça. Pour pouvoir communier avec l'arbre ancestral. C'est bon, il est plein, de toute façon. Ok. Oh, on est presque 8 en plus. Encore un XP, c'est bon. Ok, maintenant on va parler avec les autres PNJ auxquels on n'a pas pu parler. Genre cuisine, taverne. Hey, salut Margaret! Oh, ok. Pemon can smell fisherman toast. Toast à base de poisson, c'est ça? Enfin, du pêcheur. Ok. Ah, ça s'appelle Sarah. C'était qui alors? Ah, c'est Margaret, ok. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut acheter de la bouffe. C'est le menu. Ok, sans ça, on peut fabriquer. Ce que je veux, c'est plutôt les recettes. Est-ce que t'en connais? C'est les recettes. Oh, c'est un restaurant. Pour moi, il y a des bons plats là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous manque le poivre. Ouais, voilà. Justement, est-ce que tu vends du poivre? Non, ça c'est juste la bouffe. Ah, ok, attendez. Il y a du sucre. Attendez. Poivre. Ah, voici les recettes. Ouais, on a assez d'argent. Mais je vais d'abord. C'est quoi ça? Oh, niveau 40, 35, 30, 25, 20, 15. Merde! On est juste 7. Pas grave. Peut-être qu'on aura besoin de sucre hein, pour certains plats. On va en prendre 5. On a assez d'argent. Ouais. En fait, on verra si jamais on a. Généralement, les gars, ouais, pour un peu de pour faire la pâtisserie, un peu de farine. Voici le fameux fisherman toast dont tu parlais. Tiens, sorte de croque-monsieur, mais pour les pêcheurs. Donc, c'est à base de poisson, j'imagine. Ouais. Voici les bœufs dont je parlais. C'est ça. Défense augmente 70 pendant 300 secondes. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul. C'est plus ses ingrédients, d'accord. Du beurre, bien sûr, évidemment. Euh.
confiture. Bacon. Oh, ben ouais. Ok. Elle est contente, elle a eu son... Voilà, Fisherman Toast. Elle veut juste que, enfin, elle veut que je devienne le meilleur, meilleur cuisinier, comme ça elle pourra manger gratuitement. En 6 ans, ah non, je veux tester tes plats, t'inquiète. Donc lui c'est quoi? Ah voilà, c'est un truc à, c'est un truc à fabriquer justement. Ah, oh. D'accord. Bon, on va en faire. On va juste penser en observer, enfin, en manger lorsque... Avant d'aller... Oh merde! Oh, c'était ici! Oh. God damn it! Oh, c'est dégueulasse ce truc. Merde! Allez, bijoux, qu'est-ce qu'on fait? Il faut des pommes et salade. Hein. La question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on peut, depuis la mini-carte, savoir où sont les endroits où on a pu déjà récupérer justement les ingrédients? Non, hein. Non, c'est pas toi que je voulais. C'est pas toi. Ah, tiens, peut-être que t'en vends. Non, c'est trop facile. Sinon, ça enlèverait un peu le côté exploration. Faut aller à l'extérieur pour aller en chercher. Blanche, t'as quoi? Ah, peut-être que Blanche en vend. Qu'est-ce que t'as? Voilà, c'est bon. Ah, on voulait justement du poivre. Oignon. Ah, mais voilà. C'est bon, on voulait en prendre... c'est 2 à chaque fois, donc on va prendre le double, 6. On va en prendre 10. J'ai assez d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui manquait? Des pommes. Ah, les pommes, ah, il faudrait récupérer les pommes à l'extérieur. Non, c'est bon. Mais, merci pour tout ça. Je m'inquiète pas, on a 30 000 quand même en emplacement, donc on devrait être tranquille. Il nous faut ça. Ouais, et c'est quoi ça? With win come glory. Good Hunter. Ah, c'est ce Good Hunter. Ah, c'est elle le meilleur restaurant au monde. Enfin, dans la ville. Qu'est-ce qu'elle vend? Oh. Oh. Ok, là c'est particulier ça. Ascension. Bon, je pense qu'il vaut mieux laisser... s'accaparer ce genre de choses... pendant les missions, les domaines, t'en font des ennemis puissants. Voilà, comme niveau 5, 21, etc. Beaucoup plus pratique. Après, bien entendu, si on... Bon, juste à l'expédition Reward. Ok. Ah, expédition, ce sont les raids. Ok. Qui en a pas encore rencontré? Taverne. Ah, toi, c'est quoi? Timaeus, Iver, Arutusen. Ok, alchimie. Qu'est-ce qu'on peut crafter? Vas-y. Donc, je peux crafter des potions. Qu'est-ce que ça fait exactement? Donc, augmente la résistance aux dégâts de feu de 25% pendant 30 secondes. 300 secondes, ok. T'as un buff. Ça, c'est. Ok, apparemment on peut recréer la magie de ces parchemins. Bon, je vois pas trop l'intérêt pour... Bon, peut-être les compétences peuvent aider. Bon, ça sert à autre chose. Ah, oh, c'est, voilà, c'est un matériel. Matériaux, donc c'est seulement pour faire autre chose. Voilà, matériaux. Peut-être pour ce genre de choses-là. Non. Je vais voir. Grenouille, on a croisé. Oh, j'aurais pu le choper. Donc, tous les insectes et puis les petites bestioles que vous avez trouvées, ben, ça va surtout servir pour l'alchimie. Ok. C'est vrai que pour les potions, ça peut aider. Électro-résistance, électro. Oh, dégâts de pyro. Donc, il y aura quand même pas mal de choses à faire. Intéressant.
au niveau ressources de combat. Bon, là, cette fois-ci. Et I'm Stanley. Non. Je viens d'arriver, donc je connais pas tout le monde là. Donc ce que tu as pu accomplir ici, je le connais pas. Bye bye. Plus tard. Woyo. On peut s'asseoir? Non, ok. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Patron de la taverne. Angel Share. Bon. Il faut avoir un autre menu pour décliner la conversation. Allons voir. Normalement, il y aura plus de monde cette fois-ci que tout à l'heure. Ah, ben voilà. Hey, Charles. Voilà, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Cidre de pomme, d'accord. Je vais également essayer des cocktails spéciaux ici. Enfin, spéciaux. Ben, vas-y. Ah, je peux m'asseoir. Voilà. Bon, normalement, c'est pas comme ça que tu t'assois juste en face du... Voilà. Maintenant, tu parles à Charles. Bon. Il semblerait qu'on ne puisse rien faire ici de particulier. Hey. Bye. Ouais, mais ça aurait été cool qu'on puisse acheter de la boisson. Ok, bon. C'est pas quelque chose que j'ai raté. Ok. Bon, on va aller chercher le point de téléportation et on va arrêter là le stream sur Genshin Impact. On y rejouera ce week-end. On continuera. On va visiter les différents endroits ici. On a pas mal de choses encore. Hein. On a fait celui-là. Il y a cet endroit qu'on peut encore aller visiter et découvrir justement. Et donc celui-là. Niveau 22, ok, laisse faire. Oh, c'est comme ça pour les... Ok, voilà, c'est ce dont je parlais. Que j'ai recherché. Et celui-là, 30. Ok. Bon, mais j'imagine que le jeu va nous donner encore un peu plus de... Parce qu'on a d'autres quêtes. Voilà, on a pas mal de choses à faire encore. Fix to your iPhone, time to report to you. Ok, il faut retourner là-bas. Ah, c'est niveau 10. Ok. Pas tant niveau 10. Si on a ça. On va aller voir justement Kaya. Niveau 16. Ok. On verra ça ce week-end. Alors, téléportation. Ah, je le vois. Et voilà. C'est bon. Donc, celui-là. Et on a une quête ici également. C'est bon. Donc, il y aura pas mal de choses à faire ce week-end sur ce jeu encore. La bêta ferme le 7 avril. Donc voilà notre cette découverte de Genshin Impact que je trouve assez bien dans tous les aspects du jeu, au niveau gameplay, au niveau gestion des différents compagnons.
Et puis le côté élémentaire, bien sûr, de chacun d'eux. Ah, c'est vraiment bien fait. Après, bien entendu, il faut se souvenir des combinaisons. Qu'est-ce qui provoque quoi? Qu'est-ce qui provoque rien du tout? C'est pas eau et feu, ça marche pas trop. Mais glace et feu, ça va bien parce qu'il y a un effet de fonte qu'on peut utiliser. Électricité également, et puis là. Électricité, eau, et puis vent, et puis feu. Elle s'est terre, elle n'a pas trop joué, elle n'a pas trop fait les combinaisons avec elle. Et ça, je l'ai obtenu dans la boutique. Hein. Donc, dans tous les aspects du jeu, je trouve bien le jeu. Ok? Hormis la boutique. Parce que c'est pay to win. Tout simplement. Parce que vous pouvez acheter des pièces d'équipement dedans. Vous pouvez acheter également des personnages. Et vous pouvez également acheter la monnaie qui permet d'acheter des objets dans la boutique. Voilà, Barbara, je l'ai acheté comme ça. Ils m'ont offert justement la monnaie pour l'acheter. Boum. Alors c'est un personnage assez bien. Elle est soigneuse. Je sais pas s'il y a un autre soigneur dedans, mais normalement oui. Attendez, on va ouvrir l'autre boutique là. C'est ce qu'ils appellent justement la boutique des souhaits. Donc en fait, vous avez une monnaie, ok, que vous acquérez. Vous avez cette monnaie que vous acquérez en jeu, qui vous permet ensuite de, il me semble, de déverrouiller. Vous pouvez acheter ça avec. Par exemple, vous avez ça, ou comme ça. Ah non, c'est parce qu'on le fait déjà. Non, j'ai fait. Oh merde. Pas grave. Système. En fait, vous émettez un souhait, vous formulez un souhait pour obtenir un objet en particulier. Et là, le jeu décide qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous allez tomber. Voilà. Bon. On a eu Barbara, mais j'ai déjà eu Barbara. Je sais pas pourquoi j'ai eu à des reprises. Ouais, mais voilà, on a eu ça. On a dépensé 10. Barbara, c'est garanti en fait dans le truc. Bon, tout ça. Ça me permet de. Ça, je pourrais. Ouh! Sexy, tu vois. Dégâts critiques. Alors... Ok, ça, ce serait bien pour mon perso. On va aller en base de critique. Regardez ça. Là, je veux dire, boum, tu l'as. Regarde ce que vous pouvez déverrouiller dans, voilà, dans 24 heures. Vous pouvez acheter ça avec justement l'argent réel. Ça, je l'ai eu, c'était un cadeau de bêta. Dans le courrier. Vous pouvez également déverrouiller Jane et Dailook. Si vous avez la chance. D'accord. Pas garanti. Ok. Donc ce dont je parlais, c'était où? Voilà. Vous avez la boutique ici d'abord de base. Donc vous pouvez acheter ça. Par exemple. Il faut du matériel. Il faut quoi? Il faut ça. Il en faut 7. Est-ce qu'on peut... Comment on obtient ça? J'en ai 30. C'est l'argent réel, hein, ce truc-là. Donc, vous avez cette monnaie-là que vous pouvez acquérir justement avec ça. Avec ça. Que vous gagnez justement en déverrouillant les missions, des portails, des trucs comme ça. Vous en achetez, par exemple, lui. Et qui vous permet, en fait, plus tard. Bien sûr, quand vous êtes dans le... truc du vœu, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est l'autre. Hein. C'est celui-là, voilà. Et donc avec ça, vous pouvez formuler 10 vœux ou un seul vœu en espérant tomber sur ça. Et bien entendu avec 5 étoiles. Hein. Vous ne cherchez pas forcément la version 2 étoiles. C'est ça. Mais pour la promotion, ils ont augmenté les chances de tomber sur 5 étoiles ou 4. Mais tu sais pas les lances, moi, donc ça ne sert à rien. Sinon, vous pouvez essayer ça. Mais avec cette monnaie là. Et ça, c'est pas qu'on l'obtient par contre. Est-ce que c'est via ça? Ça, je sais pas c'est quoi. Niveau 10. Mais au moins, c'est derrière un système de niveau d'aventurier. Je peux pas tout acheter. Ah, donc là, je sais pas comment on obtient ça justement, cette monnaie là. Il en reste 1, il en reste 6. Pourquoi il en reste 6? Oh, c'est le nombre de vœux. Ouais, il y a une limite de nombre de vœux que vous pouvez faire. Ok. C'est 20 par jour. Enfin, c'est 20, je pense que c'est par jour. Mmh.
Non, c'est ça, j'aime pas ce système là. C'est pété au mieux parce que justement, si t'as assez d'argent, tu peux aller t'acheter ton truc. Bon, après, vous me direz, ouais, mais il suffit juste de jouer et puis t'as assez d'objets. Mais justement, je veux pas. Je n'encourage pas le fait que, qu'on vende des objets d'équipement, enfin des équipements dans la boutique du jeu contre de l'argent réel. Ou toutes sortes de monnaie. Ça fait péter une, justement. Okay, je préfère que tu l'acquières en jouant, je veux dire, en faisant les missions, et puis le boss, tu ouvres le coffre, et ça tombe, nice. Ou au mieux, s'il y a un système de marché entre joueurs, bah, tu iras dans le marché, puis t'achètes avec tes pièces d'or. C'est tout. S'ils veulent se faire de l'argent, soit ils font le jeu buy to play, soit alors dans la boutique. Ce sont tous ces keyskins. Étant donné que votre personnage n'a pas d'armure, ce genre de choses-là, ça peut être un skin que vous pouvez acheter justement dans la boutique. Notre design, des trucs comme ça. Un skin pour les armes, un skin pour l'équipement comme ça. Enfin, l'apparence du personnage. Changer même, pourquoi pas, son apparence. Enfin, au niveau des couleurs des cheveux, des trucs comme ça. Une autre tenue pour Amber, une autre tenue pour Keya, une autre tenue pour Barbara. Pourquoi pas. Ce serait bien. Je pense que beaucoup de gens vont dépenser l'argent dessus. Je veux dire, c'est bien ce qui se passe dans League of Legends. Les gens dépensent des centaines de dollars par mois ou par semaine juste pour avoir les skins. Ils vivent très bien de ça. Bon, après, c'est sûr, ils sont des millions à y jouer, donc ça aide beaucoup au niveau des pourcentages. Bon, c'est bon, je peux récupérer mes récompenses. Oh, ok, il fallait voir le PNJ. Ok, je pensais qu'on pouvait le faire directement ici. Il fallait voir le PNJ. Donc c'est ça, mais par contre, tout le reste, c'est bon bien. Ah bah tiens, j'ai encore eu une récompense, voilà. Ah, ok, c'est déjà fait. Ouais, claim, c'est bon. Donc ils vont laisser ça, justement. Mais c'est pour la bêta, bien sûr. Comme ça me permet de tester la boutique. Que je valide pas du tout. Enfin, la boutique, plus le système de vœux. Parce qu'il y a des détails ici, par exemple. Tous les objets que vous pouvez obtenir par chance, qui peuvent arriver. Non, c'est pas, c'est ici. Donc il y a plusieurs personnes. Barbara est là, Noël. J'ai reçu comme ça. Des armes. Et les personnages pour les compagnons. Jean, Noël. Est-ce que Jean, on peut jouer avec son dépense rien? Aucune idée. Donc, quand vous faites des vœux de. Enfin, des vœux de. Enfin, quand vous faites des lots de 10 vœux, ok, il y a une garantie que vous recevrez un personnage, au moins un personnage, ou au moins une arme de 4 étoiles. C'est quoi 10 vœux? Un 7? Ok. Là, je viens de comprendre à quoi ils font allusion. En revenant au niveau des vœux. C'est ça. Donc, si vous dépensez 10 comme ça, par lot de 10, en fait, un lot de 10 vœux, vous avez une garantie d'avoir au moins un personnage ou une arme 4 étoiles. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Pareil pour là. Quoique, je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que ce n'est pas la même monnaie qui est utilisée de part et d'autre. Bon, ça, je ne sais pas comment on l'obtient. Comment on fait là? Ok, c'est A Quant Fate. C'est ça? A Quant Fate, ok. Normalement, faisons encore ça. Je sais pas pourquoi il y a deux trucs différents, mais bon. C'est ça. Donc, vous pouvez l'acheter. Comme ça. Avec ça. Ça, c'est pas qu'on obtient ça. Est-ce que c'est Bon, pour l'instant, il n'y a pas. Vu que c'est bêta fermé, il n'y a pas encore. Attendez. Ah, c'est ici. Okay, c'est une monnaie utilisée pour acheter des ressources rares dans la bêta, enfin dans la boutique de la bêta fermée. C'est juste pour la bêta fermée. J'espère que si ça existe après. Ok. D'accord. Donc en fait, attendez, je vais juste comprendre le processus. Il se peut que je me trompe au niveau du pay to win, enfin pay to win dans le sens jouer, acheter avec l'argent réel. Mais il y a bien des objets. Système de soins.
Parce que j'essaie de voir, est-ce qu'il y a une limite? Je veux dire, est-ce que c'est basé sur l'argent réel? C'est ma question. Parce que là, il y a plusieurs monnaies. Ok, on a celle-ci, on a celle-ci. Celle-ci peut acheter ça. No problemo. Et ensuite, avec ça, vous achetez, bien entendu, vous formulez un vœu pour obtenir un objet qui... Par exemple, celui-là. Donc, demain, ce sera un autre objet présenté. Comme ça, on a juste ces deux-là. Donc, vous n'avez pas une boutique vraiment en tant qu'hôtel, ok, où il y a plusieurs éléments. C'est juste un espèce de... Comment je pourrais dire ça? D'entrepôt. Et à chaque jour, il y a certains objets qui sont présentés, qu'on vous offre, qui vendent, ok, qui sont vendus, qui sont accessibles. C'est ce qu'on va dire. Voilà. Là, c'est juste la probabilité qui a été améliorée parce que c'est la bêta fermée. Il y en a 20. Après, il y aura une promotion ou un autre truc qui sera présenté comme là, par exemple. Là, tu vas faire un vœu. Bon, je souhaite obtenir peut-être un de ces personnages-là ou bien un autre. Comme le team. Alors, donc, voyons un peu la structure. Ça, en accomplissant les quêtes, les missions, déverrouillant des points de téléportation, vous obtenez ça, d'accord? Cette monnaie-là. Enfin, des gemmes primordiales, on va dire. Avec ces gemmes primordiales-là, enfin primordiaux, un gemme, vous pouvez acheter justement ça. Ok, et on va dire, on va appeler ça pierre du destin. Intermédiaire, parce qu'il y a une version améliorée. On va appeler ça pierre du destin. Intermédiaire. D'accord, vous avez ça. Ok, avec les pierres intermédiaires, vous faites des vœux. Un seul vœu ou 10 vœux. Et comme c'est indiqué dans les détails, si vous faites 10 vœux, vous avez une garantie d'avoir un objet, un personnage ou alors un objet de 4 étoiles. Par exemple, ça ou un autre. Pas forcément ces deux-là, ça peut être n'importe quel objet. On peut voir dans les détails. Et parmi ceux d'objets, nous avons la liste. Normalement, si. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Nous avons tout ça. Donc, ça peut être ça que vous obtiendrez. Pas forcément ce qui est présenté comme. Pas forcément ça ni ça, d'accord? Même si leur niveau d'obtention a été augmenté. On est de 400%, on est 600. Dépendant du nombre d'étoiles. 4 étoiles, c'est 600% de plus. Et 400% pour celle avec 5 étoiles. Ok? Donc vous avez plus de chances d'obtenir ça quand vous faites vos vœux. Voilà. Mais bien entendu, c'est mieux de faire 10 vœux. Enfin, faire un lot de 10 vœux. Comme ça augmente les. À garantie d'avoir au moins un objet de 4 étoiles. Mais ça comprend également tout ce lot d'objets, d'armes et de personnages. Comme tout à l'heure, j'ai reçu à la fois Barbara à nouveau. Je sais pas comment on fait avec deux personnages. Est-ce qu'on peut comme la tuer, entre guillemets. Je sais pas comment ça se passe avec les doublons au niveau des personnages. Est-ce qu'on peut revendre, l'offrir en cadeau? Non, c'est comme ça que ça fonctionne. À ce niveau-là. Bon, on a compris. Donc on revient. Ah non! Souris! Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour le système de vœux. On revient. Niveau structurel. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, je disais, bon, pay to win, etc. Parce que je voyais l'inclusion de l'argent réel pour acheter justement l'autre monnaie ici, celle-ci. Qui est justement une autre. Notre pierre du destin. Mais une meilleure version que l'autre. Qui permet d'acheter ceux-là en question, en particulier. Est-ce que ce serait. Pourquoi, c'est quoi la différence entre les deux, je veux dire? Parce que j'avais également un autre onglet ici avec Barbara, mais ça a expiré, je pense. Ou alors j'ai déjà obtenu, donc ça a disparu. Je pense que c'est individuel pour chaque personnage. Enfin, chaque compte. Voilà. Donc, comment je fais pour obtenir ça, par exemple? Oh, ok. Voilà. C'est indiqué ici, je suis bête. Donc, si on veut avoir cette pierre du destin. Ok, celle-ci. Il nous faut 1440 gemmes primordiaux. Ça. Oh. Donc, je me suis trompé. Je m'excuse. Pour l'instant, il n'y a pas moyen d'utiliser l'argent réel pour acheter quelque chose. Pour faire un vœu. Ça se passe moins avec votre progression dans le jeu. Surtout en acquérant justement les gemmes primordiaux. Ok. Ce qui m'a fait titer, c'est juste le fait qu'on puisse acheter des armes directement dans une boutique. Qui est celle-ci. Je pourrais faire l'acquisition, combat contre les boss et ce genre de choses-là. Qu'une boutique comme ça.
Mais s'il n'y a pas d'implication de l'agent réel, et que juste les personnes qui vont jouer le plus longtemps vont avoir les meilleurs objets, ce qui est un peu logique, puisque vous passez plus de temps dans le jeu, et donc vos chances ou votre richesse augmente. C'est logique. D'accord. Ok, donc ça permet d'acquérir. Merde, ok. Avec les espaces, ça c'est... Ok, on reprend. Okay. Résumons ce qui se passe avec le système de vœux et puis la boutique en jeu. De la bêta, du moins. On va voir ce qui se passe dans la... avec la bêta ouverte. Pour l'instant... Mais il faut qu'ils trouvent un moyen de se faire de l'argent. Comment ils vont faire ça? J'espère qu'ils vont passer par les skins et puis les montures. Et puis les buffs d'XP, peut-être. On va voir. Pour l'instant, durant la bêta, nous avons droit à deux systèmes de... d'acquisition d'objets. Base de monnaie. D'accord? Donc, vous avez... les gemmes primordiaux que vous obtenez en faisant vos différentes missions, vos activités dans le jeu. Ok, vous en obtenez quand vous déverrouillez un portail, enfin de téléportation, quand vous accomplissez une quête, genre de choses, vous en recevez. Avec justement ces gemmes primordiaux, vous pouvez acheter justement ces pierres du destin. Ok, vous voyez niveau 1, celle-ci, pour acquérir justement ce genre d'objet là. En particulier. Vous avez une liste d'objets, d'armes et de personnages qui permettront de continuer vos aventures de manière... Enfin, une autre pléiade de personnages avec qui jouer. Et là, vous avez le système de vœux qui fait que en fait, vous formulez un vœu pour obtenir un objet en particulier. Il y a des chances que vous ne l'obteniez pas, vous obtenez une autre chose, mais vous tentez votre chance. Si ça marche, ok. Ça marche pas, ben... Mais c'est sûr que vous obtenez toujours quelque chose. Pas forcément ce que vous recherchez. Si jamais vous faites un lot de 10 vœux, vous avez une garantie d'avoir un objet, un personnage ou une arme de moins 4 étoiles. Ou une arme de 4 étoiles, voilà. Ça, c'est garanti. Soit un personnage, soit une arme de 4 étoiles. Et ensuite, il y a d'autres objets que vous obtenez, donc, ok? Mais pas forcément ce dont vous rêvez. Voilà. Ensuite, maintenant, nous avons l'autre monnaie. Donc, une pierre du destin encore plus élevée. De valeur beaucoup plus élevée, celle-ci, qui s'acquiert en achetant avec cette monnaie-là. Mais ça vaut beaucoup plus. Ok, on va essayer juste de faire comme ça, juste pour qu'on ait ce qu'est la valeur basique dans celle de seule pierre. Voilà, vous voyez, boum. Oh, c'est ça, j'en ai 10. Masterless Stardust. Ok, ça, ce sont les poussières étoilées. Poussière d'étoile. Qui n'a pas été taillé ou je sais pas quoi. Mais c'est ça. J'en ai 10. Ok. Et puis on a eu ça. C'est tout? Ouais, c'est un seul V, donc il y a juste un seul objet. Donc on quitte. Revenons. Donc on en a plus. Maintenant on va vérifier. Justement, il y a l'autre boutique ici. Et on en a combien de ça? Ah, j'en avais un. Ok. Justement, je cherche les poussières étoilées là. C'est ça? C'est ça. Hein. J'en ai 10. Ah, c'est celle-là, c'est pas celui-là. Attends, pourquoi ça change? Oh, ça dépend de la monnaie. Vu que c'est ça qu'il faut. Nos gemmes primordiaux. Donc justement, comme on l'a dit, les gemmes primordiaux, vous pouvez acheter justement cette monnaie-là. Cette monnaie permet d'acquérir, comme on l'a vu, des objets dans la boutique, de faire des vœux, mais différents des autres. Sauf que vous pouvez juste formuler 20 vœux par jour, hein, n'oubliez pas. Mais une restriction. Après, il y a une réinitialisation, je pense, chaque jour. Attendez. Ok, là j'en ai 2 de cette monnaie. Oh, c'est encore plus gros ça. Ça c'est Star Glitter. L'autre c'était Stardust. Star Glitter, pardon. Glitter. Et ça, on le tient également quand on fait les vœux. Et je pense que ça dépend de la qualité de l'objet qu'on reçoit. Ok, ça c'est Star Glitter. Continuons. Star Glitter toujours. Oh, moi, j'essaie de voir pour la poussière. C'est ça la poussière. C'est ça. Donc, la poussière permet également d'obtenir ça. Ok.
C'est acquainted. On va voir l'autre. On a intervene. Ok. Donc, on a deux choix. Ok, c'est bon. Je vais acheter la monnaie en jeu. 10 000 pour 10 poussières étoilées. Ok, donc pour l'instant, pas de pay to win dans le... Enfin, pas de pay to win, c'est trop dire aussi. Pour l'instant, on ne peut pas acheter des pièces d'équipement avec l'argent réel. Pour l'instant. Mais ce jeu passe en free-to-play, il faudra dépenser de l'argent réel. J'espère que ce sera basé sur les skins uniquement. Et qu'ils ne seront pas tentés de corrompre le système de vœux. D'accord. Voilà. Ok. Donc c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Le système. C'est bon, il n'y a pas pay to win. Enfin, il n'y a pas d'implication de l'argent réel pour l'instant. Est-ce que ça reste pay to win? Oui. Pourquoi? Parce que on vend des pièces d'équipement qui donnent un avantage dans la boutique. Enfin, ok, vous me direz, mais ouais, mais c'est un système de c'est un système de soins. Enfin, pas de soins, mais de souhaits, ce genre de choses-là. Et ouais, mais moi, l'idée, c'est que lorsque tu mets en place un système où les gens peuvent acheter quelque chose avec une monnaie, même si c'est une monnaie en jeu, que c'est dans une boutique comme ça, ok, gérée par le développeur, enfin, on va dire par le service marketing, on va dire. Non, ça implique, je préfère que les gens obtiennent justement les personnages comme ça, pendant les missions, ils rencontrent ce personnage-là, et puis, je sais pas, tu accomplis une mission personnelle de Jean, et puis tu l'obtiens comme compagnon. Ce serait mieux comme ça. Pareil pour Dialogue. Pareil, on l'a vu celui-là. Ouais. Préfère, c'est ça. C'est trop facile à corrompre. D'y insérer de l'argent et puis finalement les gens peuvent acheter ça avec du vrai argent. Pour ceux, en particulier pour ceux qui veulent pas jouer, qui n'ont pas le temps de jouer longtemps et donc de farmer justement les gemmes. Il y aura ça. Ce serait évident qu'ils vont faire ça. Parce que, à moins que, bien sûr. On va voir, je vais surveiller ça. De toute façon, j'y jouerai au jeu. Parce que dans l'ensemble, il me plaît beaucoup. Donc pour l'instant, pas pay to win. De manière. Enfin, pour l'instant, pas d'implication de l'argent réel dans l'acquisition de pièces d'équipement. Ok, pour l'instant. Et j'espère qu'il sera toujours comme ça. Et qu'ils vont plutôt se baser sur les skins et tout le reste, ou monture. Pour se faire des sous quand même. Et continuer à. Enfin, et rajouter du contenu, ce genre de choses. À moins que le jeu sorte en buy to play. Comme Guild Wars 2, ce genre de choses. On va bien voir. Ok. Donc voilà, c'est tout. Merci pour ceux qui m'ont tenu compagnie jusqu'à maintenant. Je vais aller faire une pause, j'allais manger, me restaurer et tout le reste. Faire des petites courses aussi, je pense. Voilà, je vais faire... Ah non, demain c'est fermé. Ouais, il faut que je fasse des courses. Ah non, c'est mercredi. Ah, je pense qu'on était samedi. Ah! Non, c'est bon, ok. Merci à tout le monde. On se retrouve dans à peu près une heure, je pense. À mon retour, on va jouer sur The Division 2 parce qu'on a également beaucoup d'activités à accomplir là-bas. Avec le nouveau événement vestimentaire et puis la traque d'un autre renégat. Merci encore à tous ceux qui sont passés. Merci pour les nouveaux follow. Merci pour tout le monde. Merci de votre présence. C'est très encourageant pour tous les streamers, de toute façon. Allez, on se retrouve dans quelques heures, dans une heure à peu près. D'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous bien comme d'habitude. N'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao.